Alors, on s'était arrêté où la dernière fois? On a des upgrades possibles ou pas? Comment tu te sens, Chai? Ah, je vais bien. Ah, je crois que je me souviens plus des combos depuis le temps qu'on n'a pas joué. Oh, j'imagine qu'ils s'inquiétaient tous pour nous. J'espère que personne ne racontera comment on est revenu ici. Ce serait un poil gênant à expliquer. Hey Chai, je sais qu'on est pressé, mais t'aurais une minute pour papoter? Oh, ouais, pas de problème. Tu voulais discuter? Chai, je voulais m'excuser de ne pas t'avoir écouté. Je peux pas t'en vouloir. J'étais pas particulièrement convaincant non plus. J'avais des œillères, je ne voyais rien. Merci. Tu m'as sauvé. Non, j'ai pas l'habitude des louanges. T'es pas le plus doué, mais tu vas au bout. Je crois qu'ils sont tous trop gênés pour te l'avouer. Ça changera peut-être un jour, qui sait? Pour le moment, on a du pain sur la planche. Vu que t'es là, pourquoi vendre-les? Pourquoi choisir les méchants? Tu le sais comme moi, ils n'avaient pas l'air méchants. Quand j'étais petite, une grande catastrophe écologique a touché ma maison. Roxane Vandelay était en charge de l'environnement, et elle a aidé tous les habitants. Elle a changé ma vie. Elle m'a inspirée. Travailler ici était mon rêve. Et c'était pas vraiment ce que tu espérais? J'ai un peu douté après avoir rencontré Kale, mais je pensais que c'était comme ça, et c'est tout. Maintenant, je sais que non. Ce n'est plus l'entreprise que j'idolâtrais petite. Tu sais, mon groupe préféré m'a mis un énorme vent un jour. Alors, je sais ce que tu ressens. C'est quand même très différent. Mais si tu veux. Allez, Chai, tu veux la pécho? Comment Spectra et Armstrong ont pu échapper à ta surveillance? Le projet était déjà lancé quand je suis arrivée ici, alors je l'ai jamais remis en question. Son lancement, les invitations, je savais pas qui gérait ça. Donc tu peux pas nier qu'ils ont choisi les gens les plus cools pour le programme? Je ne crois pas qu'être cool était important. Tu sais à quoi sert ton bras, hein? Évitons d'en parler, ok? Ce que je sais, c'est que personne n'avait prévu que tu t'en serves ainsi. C'est quelque chose que Kale ne peut ni calculer, ni utiliser contre nous. Comme notre cheval de Troie. Je vais faire semblant d'avoir la référence. Oui, il fait bien semblant. Ah, le... Monsieur Onizuka. Yeah! Alors, est-ce qu'on peut partir en mission, là? Let's go! Bon, je suis prêt pour la mission. Très bien, Corsica. À toi de jouer. Ok, tout le monde. Écoutez bien. Réunion pré-mission. En fait, on dit briefing de mission. Ça veut dire la même chose, non? Ouais, mais c'est notre truc à nous. La sémantique, moi, ça m'ennuie. Avec mon mot de passe, il nous en manque trois. Mon plan, s'occuper de Mimosa. Chef du marketing. Elle est sur le campus pour préparer le festival du projet Armstrong. C'est une grosse soirée. Ça doit être dingue. Je voudrais bien y aller. Mimosa montera sur scène, donc c'est ta chance. Mais la sécurité... C'est pour ça qu'on va contourner par le musée Vandelay. Il donne directement sur le concert. Mimosa veille à ce que personne ne rate sa performance, donc il devrait être vide. Son narcissisme causera sa perte. Bien dit, CNMN. Nous n'aurons que peu de temps pour frapper, donc il faudra être prudent. Très professionnel, Corsica. On félicite jamais mes plans, à moi. Bref, j'ai synchronisé les pièces de Corsica sur la fréquence de 808. Quelle fréquence? T'inquiète, tu vas adorer ça. Sacré spectacle! Ouais, peu d'artifice et compagnie. Le budget marketing a largement dépassé celui de la R&D. L'entreprise a bien changé. Je vois ce que tu veux dire.
Votre négativité gâche l'ambiance festive, Maître Macaron. Allez, j'y vais. Chai, il devrait y avoir un accès de service qui mène au musée. Un jour, j'entrerai par la grande porte. La prochaine fois, on te met dans un canon et on t'envoie direct sur... Oh, j'avoue, ce serait mieux, ça. Directement dans un canon. C'est pas mal. Allez, on se rappelle un petit peu les bases. C'est la nuit que vous attendiez tous. Ah oui. Je sais que vous êtes impatient de rentrer profiter de vos améliorations exceptionnelles. Mais ce soir, nous fêtons votre nouvelle vie. Et le clou de la soirée est une performance spéciale par la seule unique, moi. À tout de suite. Il est pour le public ce spectacle ou pour Mimosa? Honnêtement, ça sert à rien. C'est fermé. Je vous aiderai bien, mais il faut que ça brille ici. Et regardez-moi cette porte comme elle brille. Bah laisse-moi passer alors si elle brille. Comment je suis supposé passer cette porte? Je peux pas la casser, comme ça elle brillera plus. Non. Ok, ça, ça. Alors. La porte ici peut-être? Vas-y! Ah, là-bas. C'est pas réellement un monde musical en soi. C'est juste que le mec il se prend pour une rockstar, donc... Ah! C'est bon, j'y suis. Mais y a le feu? C'est notre sécurité anti-humain. C'est là que je me rends utile. Tout est bon, c'est quand tu veux. Tu dois charger assez d'énergie pour souffler les flammes. Puis tu n'auras que quelques secondes pour passer. 3, 2, 1, go! Excellent, Corsica! Allez, Chai, faut être rapide. Peppermint, cette tech est géniale! Oh, merci. Je... Ouh là là, attention. Votre visage devient rouge, mademoiselle Peppermint. Feriez-vous une allergie? Ouais, le robot qui balance, là. Oh! Trois musiques sympas, le pire c'est que j'ai pas mis les musiques officielles, parce qu'apparemment il y a pas mal de musiques sous copyright dans le jeu. Message à tous les ouvriers. Exige que le réservoir d'eau soit converti en sauna souterrain d'ici la fin d'année. Macaron, chapelet. Ça va faire mal. Merci mon petit macaron. Hop. Pas de baston encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le jeu va me réserver là? Je dois avoir peur. Le Venti. Venti. Donne-moi ce qu'il y a dans la caisse! Ouh, ça pue la baston, incoming. Oh oui, je sens venir la baston. Oh oui, cette zone! Vous devriez être au spectacle. Vous allez brûler. Hein? Quoi? Je reste prêt! Éteindre le feu, c'est ma spécialité. Je vais calmer ses ardeurs. Alors, ok. Attention les yeux. C'est un peu gênant. Ah.
Merde, c'était quoi encore le lock? C'est quoi encore la touche de lock? Non. Oh non! Oh, ce contre parfait, ma gueule! Alors, les ennemis touchés par les rafales, comme ça, sont étourdis facilement, ok. Allez, vas-y, let's go! Ah oui, on peut balancer plein de monde en même temps. Non ! Non ! Oh, j'ai la haine ! Ça va être dur de trouver le rythme. Ouais. Parfait, on peut enfin entrer dans le musée. Roquefort, c'est Hitman quand il a faim. Oulala, on doit avoir peur du coup. On prend un maximum de pieds-pièces. Oh, des soins. Oh, de l'énergie. Cool. Oh. Excellent! Un jour, il faudra que je me fasse la liste des combos sur le jeu. Est-ce qu'on peut passer par la grande porte? On peut! On sent le passé ici. On sent les problèmes surtout. Voilà. Au musée historique Vandelay, qui retrace le périple de nos modestes débuts à la gloire que nous connaissons aujourd'hui. Elle a même enregistré les annonces elle-même. Quelle narcissique. Pour ma part, je trouve ça passionnant. Chai, cette exposition te conduira là où on doit aller. Vas-y. Oh, bien le bonjour. Je suis guide dans ce musée, mais vous semblez avoir besoin d'aide avec... Ouais, avec une autre entité, Troutmuche. Veuillez ne pas finir mes phrases. Cela perturbe mes capacités de conseil. Cette entité étrangère semble être notre chef de la sécurité, Corsica. La situation a légèrement changé ces dernières heures. Je constate que le lien d'amitié qui vous unit est très fort. Vous semblez capable d'éteindre les flammes grâce à votre vent énergétique. De plus, les ennemis qu'ils touchent deviennent alors plus sensibles aux dégâts d'étourdissement. Vos actions favorisent le jeu collectif. Corsica ne blesse pas les ennemis directement, mais elle est essentielle pour vaincre les adversaires les plus forts. Ok, le frigo. Alors, est-ce qu'on a de la moula dans le coin? I need upgrade de Shy très rapidement, sinon... Olewa Veri Mourirda. Ça me donne presque envie de rejouer à Devil May Cry 3 ce jeu par moment. Et voilà les problèmes. Oui, boys. Et hop, cadeau. Hop, cadeau. Donne tout, Chai. Ah, je brûle. Ah, d'accord, c'est ça en fait. Ouais.
Ah là là, putain, mais ils sont trop nombreux là. Ah, petit con là. Chez. J'ai juste mis 60 secondes. C'est une bonne prestation. Oh, on touche avec les yeux. Rusty, tais-toi. Moula, 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 moula. Vous connaissez Cale Vandley, notre prestigieux leader. Mais quelle est son histoire ? Initialement, Vandley Solutions n'était qu'une toute petite start-up. Roxane Vandley créait des puces et prothèses dans son garage qu'elle partait vendre dans son véhicule. Sans grand intérêt, mais il faut bien commencer, n'est-ce pas? Regardez, son ancien camion est exposé. Ils ne disent même pas que ses créations ont permis d'empêcher une crise énergétique mondiale. On se moque d'elle. Concentre-toi, Peppermint. Ok, je continue. Je sais que cette exposition va être très inégale. Malheureusement, ce sont les vainqueurs qui font les livres d'histoire. C'est pas vrai, c'est les branleurs qui font les livres d'histoire. Brigade du feu au rapport. Halt, plus un geste. Halt, oh, plus un geste. Allez, bouffé, hop, voilà, allez, boum. Dead. 808, à toi. Ouais, 808, t'as dû te lâcher les couilles là. Uzi. Ouais, je passe quand? Ah. Du soin! I need beaucoup de soin! Vandley a grandi pour devenir en 3 ans seulement le plus grand fournisseur mondial de robotique. Nos technologies de pointe permettaient déjà de façonner le monde de demain. Dorénavant, nous étions Vandley Technologies et le meilleur était à venir. Ah, le bon vieux temps. Ce qu'on faisait semblait avoir un impact réel sur la vie des gens. Parce que c'était le cas. Et de l'extérieur, personne ne se doute de rien. Est-ce que je conseille le jeu? Oui, mais si t'as une Xbox ou un PC, il est sur le Game Pass, hein, si jamais. Ah! L'anomalie? Cale a dit que tu étais mort. C'est un menteur, Mimosa. Enfin, qui se ressemble s'assemble. Corsica? Oh, quelle surprise! Arrête ton petit jeu! Mais tout ça n'est qu'un jeu. Dommage pour vous, c'est nous qui menons la partie. Oh non! Lui d'abord! Arrête de te barrer! J'ai dit arrête de te barrer! Eh merde! Grandette,
Quoi ? Eh merde. Je sais pas les faire ça. Dans le doute, tu spam B, ça marche bien. Mimosa sait qu'on est là. L'alarme a verrouillé certains accès, on dirait. Je vais chercher un autre itinéraire. Un autre itinéraire. Ah ben voilà mon itinéraire apparemment. Eh ben alors, on se prend en photo. Changement. Compris, j'arrive. Y a des soins quelque part. I need very much very soin. Voilà, une statue. C'est doux. Allez, c'est bon, t'es dead. Merci. Oh, caisse de soins. Yay. Pourquoi est-ce que les soins ne rendent plus rien, là? Dis-moi, à tout hasard, tu te souviens des combos lents? Tu sais les combos où est-ce qu'il faut faire une interruption pendant que tu tapes? Parce que je me souviens plus comment est-ce qu'on les fait, eux. Oh, y'a du soin, là-bas! Alors. Ah, nouvelle jauge de vie, cool. Ah bah je te parlais combo avec X. Attendez, les deux combos. Combo. X. Ah, X une fois. Signifie attendre un battement. Ok. X, Y, XXX. Ouais. XX. Ok. J'aurais très certainement oublié d'ici 10 secondes. Hey, vas-y poulette. Mmh. Elle est une morvie. On est donné l'exploit. Ça pourrait être sympa ça en vrai. Allez en bas. Oh non. Je peux faire surchauffer ce générateur. Ah. Tu peux m'expliquer pourquoi? Regarde ça. Corsica, je m'en occupe. 3, 2, 1, go! Dépêche-toi avant qu'il refroidisse. Qu'il est. Y'avait rien. Oh putain, y'avait un truc. Ouais, si tu veux, tu peux afficher le rythme du jeu. Mais je me base pas trop dessus, parce que je trouve que ça m'handicape plus qu'autre chose. Du coup, j'y vais au flow.
Non ! Le but du jeu, c'est de taper des méchants. Ah oui, la zone a l'air sacrément dangereuse. Mais dans une horloge là ou bien? Tac 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 tac. I need more power. What? C'est quoi ça? Il doit s'agir de l'alimentation du musée. On peut la couper? Temporairement. S'il y a un générateur. C'est passé quoi sur cette division 2? À mon tour, Jai. 3, 2, 1, go! Vite, Jai, dépêche-toi! J'ai essayé, écoutez, hein. Le timer, c'est la life. Il y en a un autre ici, ça va. On est dans un musée ou une usine? Ubisoft aurait arrêté d'alimenter The Division 2. Ça m'étonnerait, il y a encore eu une mage récemment sur le jeu. Une nouvelle saison. D'ailleurs, j'aimerais bien y retourner dessus, sur The Division 2. C'est peut-être un des rares jeux d'Ubisoft que j'apprécie réellement. Ah merde, non. Quoi? Je vous ai faire quoi en fait là? Comment on est supposé faire si le truc là ne marche plus? Ah mais y a pas de plateforme. Quoi? Ah, il y a un cylindre. Ah, d'accord. Ah, c'est dommage que The Division 2 soit pas mieux vendu en quelque sorte. Macaron, c'est toi et moi. Les Ubisoft, pour faire durer leur jeu, je trouve qu'ils sont un petit peu à la ramasse par moment. Hein. Oh, regarde ce qu'ils ont fait avec For Honor, c'était pas foufou, hein. Pourtant, For Honor, il avait de l'idée, hein. Il avait vraiment de bonnes idées, For Honor. Concentre-toi. 3, 2, 1, go. Allez, on est good.
Mais... Ah. Baston incoming. Toujours en marche. Waouh, quel choc. Non. Ah, la blague de merde qui vient de sortir là. Ah mais en plus faut faire gaffe. C'est vraiment le bordel, hein, le jeu. De toute façon, tous les jeux d'Ubisoft dans le chat, ils ont tous des DRM, hein. Faut toujours être en ligne, hein, pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Hein. Rien que ça, c'est un putain de DRM, le fait d'être en ligne à chaque fois. Excellent! Est-ce qu'on a de la bonne moula? Absolument pas. Et l'heure du vent! Bon, en même temps, les DRM sur PC, on a l'habitude, les gens, vous savez. Je crois que t'es le seul à vraiment profiter, CNMN. Toute cette culture me fascine. C'est pas nouveau, ça changera jamais, hein, sur PC. Hein. Votre attention. Les rumeurs de disparition des chefs des départements ont été fortement exagérées. Trouvé. Chaud devant, du feu. Yeah, je brûle. Ah d'accord, ils sont kamikazes aussi, je savais pas ça. Allez, minou. Je vais vous faire bouffer vos morts.
Il est pas mort ? Allez, le jeu. C'est parti. Bon pays, j'arrive. Ah, merde. Attention les yeux. Bon, sur moi, petit gars. Remerciez votre directeur de marque. Bouh. Grosse baston ici. Fight! Oh merde, oh merde, non! T'as bien mangé, chérie? Oh non! Jai, je crois pas que la plateforme va tenir. Oh, je comprends rien! Mais quoi? Allez, rêve, ma gueule. Oh non ! Non ! Va te faire enculer, là. Eh, mon gros, tiens. Prends ta dose. Une expo en moins. Super. Profitons-en pour tout cramer. Ça va, Peppermint? T'as l'air plus énervé que d'habitude. C'est rien, c'est débile. Allez, sortons d'ici. Attention les yeux. Oh, encore une? Après des années, Roxane Vandelay décida de prendre sa retraite et de confier l'entreprise à un jeune visionnaire. Cale, son seul enfant, était un choix évident. Il était aussi brillant que sa mère, sinon plus. Et regardez-moi cette chevelure! Quoi? Mais c'est fou! Je ne vous avais jamais vu si contrarié, Mademoiselle Peppermint. Aujourd'hui, la chère mère de Cale profite de sa retraite et d'un repos bien mérité, rassurée que l'entreprise soit entre de bonnes mains. Il l'a mise dehors. Oh, tu es aussi pénible que le disait Cale. La ferme! Jamais! Alors on part pas sans les soins. Mais oh!
Ne t'en fais pas, Chai. Elle se contente d'envoyer tout ce qu'elle a. Le spectacle vous plaît, au moins ? Ah ! C'est un régal ! 2, 1, go ! Et j'ai mal au doigt ! Awesome. Je le fais bien, hein. Et d'ailleurs, les gens, vous pensez qu'avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, ils vont peut-être ressortir un Guitar Hero? Ça serait cool, avouez, non? J'ai encore mes vieilles grades de Guitar Hero en plus. Eh hey, merde! Non! Allez, c'est bon, hein, c'est raté, allez. Two, one, go! Attends... On tombe pas dans le panneau en face... Mais, allez! I need moula. Je sais pas faire des dons, lol. Ok, je peux pas passer par là. Alors, mon petit macaron. Putain. Donne faim, j'ai envie de manger des macarons maintenant, fais chier. Oh, encore une baston. Décidément tenace. Rideau pour toi, Mimosa. J'en doute fort. Je ne suis même pas montée sur scène. Hélas, tu ne pourras pas jouer de la représentation du siècle. Oh, c'est triste, hein. Ouf! Ah, pas ouf! En fait, ça va, celui-là est facile à contrer. Dead. Oh putain, je vois rien là. Dans le roussi. Ça
Power Core. Comment on fait pour l'avoir encore? J'ai oublié. Ah, faut pas aller dans son dos, hein, plus dans le genre pour le choper. Jamais comment on fait pour avoir le pigeon. Le combat n'a pas été glorieux en vrai. Non, Lizzie. Ouvre-nous la porte dans la salle suivante. Bon, attendez un instant, parce que. Un, deux. Après, 1, 2... Bon, you dead. Merci. Alors... Sans... Ah! Ok, je crois que la voie est libre. Kale a fait avancer Vandelay Technologies d'un siècle grâce à sa vision du futur. Le projet Armstrong. Il a développé seul le système de prothèses robotiques intégrant le plus grand empire technologique du monde, au cœur et à l'esprit de chacun. Mensonge. C'est pas ce qui s'est passé. Peppermint, du calme, voyons. Je comprends votre peine. J'ai été très déçu par l'exposition, moi aussi. T'as volé tout son travail, sans scrupule! Je me sens plus largué que d'habitude, c'est normal? Je voulais être moi-même. C'est tout. J'ai fui ma famille quand j'aurais dû rester auprès d'eux. J'imaginais pas que ça donnerait ça. Peppermint, qu'est-ce qu'il y a? Kale n'a pas développé toutes ces technologies. Je le sais parce que cette jambe... C'est ma mère qui l'a faite pour moi. Ta mère? À une entreprise de robotique concurrente? Non, Chai! Ma mère est Roxane Vandelay. Quoi? Ça fait que Kale est mon frère. Oh, maintenant je comprends mieux. Il a toujours aimé profiter des autres, mais je ne pensais pas qu'il irait si loin. Je sais déjà ce que vous vous dites. Vous vous dites... Et alors? Tu croyais qu'on t'abandonnerait à un truc du genre? Si on est là, c'est grâce à toi. On est tous là grâce à toi. Ouais... Mais... Et si je me bats, c'est pour ce que tu as découvert. Et que tu es en train d'essayer d'arrêter. Sans compter que Monsieur Chai est le plus en danger ici. Oui, bon, c'est vrai, mais ça, c'est accessoire, on s'en fiche. Ton frère ne définit pas qui tu es. Et ça ne change rien entre nous. Vraiment? Ça nous donne une meilleure raison de nous battre. Ensemble. Chai, c'était... tellement beau. Bon. Alors on va... casser la baraque? Carrément. Ah, tu sais, je voulais vraiment sortir la réplique « casser la baraque » pour le festival. Mais c'est pas grave. Je te la laisse.
Super. Ouais, on a fait un A, les gens, incroyable. D'habitude, on fait que des B ou des C. On y est? Ok. Je dois faire quoi, déjà? Chai, fais ton truc et file là-haut rejoindre les coulisses. Elle est sur le point de monter sur scène. Tu vas devoir te dépêcher. Tu arriveras dans sa loge en passant par là. Ninja Chai, c'est parti! J'espère que ça va marcher cette fois. Hé, hey, laisse-moi une deuxième chance. Surprends-la et tu auras l'avantage. Mais il faut que tu bouges. Rendez-vous au festival. On va se la faire. Tous ensemble. Attends-moi, Mimosa. Chai, suis ce couloir et tu devrais arriver dans...